Dans le débat, professeur Harry Régis et journaliste Ewald Jean-François intervenaient sous médias et secteur influence. Youn après l'autre, Harry Régis avec Ewald Jean-François. Citoyen jodi qui est un citoyen dans la société moderne, un citoyen qui dans une société qui parfait mais sous tête li, entre frontières, entre les deux trois frontières, qui parfait mais dans simple scène politique, ou bien scène économique dans le pays, mais qu'on est à côté de tout bas, un petit gens liés dans le monde entier. Alors, citoyen, ça lui-même, c'est un coup le pas besoin d'informations encore. C'est un coup ça a besoin qu'on a du besoin de bail éléments qui pour permettre de prendre décision. Ça veut dire qu'il y a information déjà. Peut-être ça a besoin qu'on ait à son orientation. Que la presse, pour assumer ses responsabilités sociales, fasse un parcours sans faute dans un milieu si complexe. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que la presse doit être la conscience de la nation, son guide, celui qui voit les détails qui échappent au bon sens et à l'analyse du citoyen commun, qui capte avant les autres la portée des actes et attitudes de l'ensemble des acteurs en scène. La presse est là pour comprendre, analyser, dégrossir, déblayer et mettre les faits à la portée de la compréhension de ceux qui ne sont pas à même de comprendre par leurs propres moyens. Journaliste Romel Pierre abordait question médias et attentes sociales. C'est extrêmement important, journée aujourd'hui, pour nous parler question radio avec légèreté, demander pour une réflexion qui fait sur lui. Une bonne question dans le pays que nous manquons fouiller. Par exemple, est-ce que nous dites nous pour quelle raison nous ne pouvons pas avoir un conseil électoral permanent? Bon côté payo, sociologue Daniel Magloire avec Ewald Toussaint, qui professeur tout, fait un râler sur médias et espace public. Nous écoutons l'un après l'autre. Nous sommes en Haïti. Aussi tributaire des dérives de l'infocommunication, puisque on parle d'une démarche dans laquelle il s'agit de mettre en scène l'information comme on adore, comme les conseillers en communication adorent le faire, où on veut nous croire que tout est question de communication. Non, et même ça nous pervertit tant que dans les relations sociales, dans les relations entre la société civile organisée et l'État, nous reprenons à notre compte ce concept. Tout en question de communication, comme s'il n'y avait pas des choix, des positionnements ou une mauvaise volonté. Effectivement, nous pouvons considérer les médias comme une sorte d'espace public, un lieu de débat permettant aux citoyens et aux citoyennes de se constituer une opinion éclairée, de prendre connaissance des grands enjeux de société et de comprendre les conflits nationaux et internationaux. Est-ce que nos médias nous aident à saisir les grands enjeux de notre société et de comprendre les conflits nationaux et internationaux?